Salutations au peuple en délire. Comment allez-vous? Denis Talbot avec son équipe ce soir qui est constituée de ces deux personnes, mesdames, messieurs. Vous l'aimez, vous la chérissez. Marie Roy, bonsoir. Allô! Comment tu vas? Super bien. Ça fait un petit bout qu'on t'a vu. On est content que tu sois là. Ben, j'étais là il y a deux semaines. C'est trop long. Trop long. Ton public t'attend. Ton public veut te voir. Et cet homme est de retour après une absence remarquée. Et mon micro qui vient de... Est-ce qu'on m'entend quand même? Oui, on t'entend très bien. Ça a l'air très cool comme petite carte. Oh, pas fini. Ouais, ben comme on peut voir, c'est une carte d'escorte, si on veut, là. Ou est-ce qu'on doit escorter un véhicule, on s'entend? Carte d'escorte! On va dire une carte de payload juste parce qu'on le dit, hein? Attends un petit peu. Une carte d'escorte, c'est quand tu vas à Vegas et tu donnes des cartes. Ça, c'est une carte. J'ai aucune idée de quoi tu parles. OK. Donc, une carte de convoi. Escorter le convoi. On escorte un véhicule. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon Destiny? Ont-tu scrapé mon Destiny? Tu joues-tu pas mal ces temps-ci à Destiny? Parce que j'étais en train de jouer à Cuphead. OK. Et j'étais en train de jouer à Forza, le nouveau. C'est le fun. C'est le fun. Il y a des beaux chars. Mes trois premières courses, je les ai gagnées. Je dois d'amener. C'est vrai que c'est facile, là, mais tu sais, quand même, je suis bon. Bon, OK. Ripas-toi. Ouais. Bon, OK. Parlons un peu de Destiny. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle mise à jour, ce qu'on appelle communément dans le jargon? Une patch. Un update. Oui, c'est ça. OK. Enfin, t'es mieux d'avoir les bras pleins ce soir. Franchement. Ma belle Myriam en sucre, comment ça va? Brap, 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 mon Denis. Ça va bien. T'arrives avec quoi ce soir? J'arrive avec un produit Star Wars, un petit drone juste ici à côté, un petit produit illimité. Ouais, puis tu me disais que malheureusement, ils t'ont pas envoyé bonne batterie. Non, mais des fois, sont-ils cheap un peu? Comment ça, sont cheap? En fait, tu sais, on est beaucoup de médias à utiliser les produits. Okay? Ouais, donc, okay. Ce qui arrive, c'est qu'on se les passe de média en média. Ouais. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un à Vancouver. Vancouver? Vancouver. Vous donnez ça dedans. Écoute, on va commencer avec le Cloud Alpha. C'est pas tout pour donner ça, mon âme. Tu sais, quand tu viens ici, t'es généreux. Les gens, d'ailleurs, manifestent leur amour sur le chat. Je le vois en ce moment. Dan, moi, Super Dan. J'ai essayé de rentrer le clavier dans ma craque, mais j'étais pas capable. Bon, on va arrêter ça là. Moi non plus. On va arrêter ça là. Donc, ce soir, mesdames et messieurs, gros show, gros nerf. On en parle tout de suite de tes fameux écouteurs ou tu veux attendre un petit peu pour garder le suspense? Écoute, on peut. OK, bonsoir. Oui, allô, Radio Talbot, on vous écoute. Allô? Allô, c'est quoi ton nom? Baisse ton volume. Baisse ton volume chez vous. C'est toi qui es en avance. Hey! Oui. Oui, je l'ai. Je sais c'est quoi les trois différences. Vas-y. Ils sont veloutés, sont douces. OK, je pète mon bol. Ah, tu parles de Myriam, là. Là, on parle pas de... Ah, non, c'est parce que c'est des écouteurs qu'on veut parler. Ils sont moelleuses. Non, t'as dit trois fois la même affaire. Douce. Veloutée, douce et moelleuse. Non, c'est pas bon, ça. On parle d'un oreiller. Non, skip. Je le gagne pas, je joue pas les écouteurs. C'est juste pour les canaux. C'est bon. Bonjour. Salut, bye. Merci, bye. Aïe. Douce volonté. Oui. Radio Talbot. C'est bon. Ça serait plus poli, Cyril. Il n'y a pas du monde en soi. Il est bon. Donc, le cadre de ça est en aluminium. J'imagine c'est solide pour le Absolument. Transport. Absolument. Clavier métallique, les clés Cherry Red, Cherry Blue, Cherry Brown. Il est pesant, non? Il est très pesant. Il est vraiment lourd pour la grosseur. C'est vrai? Bon, ça se passe le clavier, mesdames et messieurs. Et, dit-elle. Encore une fois, un toucher très doux. Ouais. On voit que c'est comme un peu matifié, velouté. J'aime bien. C'est velouté, ça va bien. On dit, hey, c'est vous, est-ce que ça me fait penser? Parce qu'il est flambant neuf, là. OK, on s'entend là-dessus. OK. Là, quand on descend, on met notre main. Ouais, là, j'écoute. Comment faire remonter. Comment tu veux que je suive ça? Non, ben, je sais pas. Comment veux-tu? Comment tu veux suivre ça? Assis-toi. M'asseoir. Oui, OK, comme ça. Hey, c'est bon, ça. Ah, ouais, vas-y. Comme ça, là. Oh, est parti. Hey, comment tu veux que je découpe ça? Bon! Bien avec les touches veloutées. Oui, allô, Radio Talbot. Douce. Allô, Radio Talbot. Bon, elle a accroché. Oui, allô, Radio Talbot, on vous écoute. Oui, moi, j'appelais pour gagner le drone. Ian Richards, t'as pas le droit de participer. Pourquoi? J'ai jamais rien gagné. Non, c'est ça. C'est Ian! Salut, Ian, bonne soirée. Bon, OK, d'abord, bye. Bye. Oui, allô, Radio Talbot, on vous écoute. Des heureux. Alors, merci en espérant que vous allez être là longtemps pour non seulement le bien-être de Radio Talbot, mais pour le bien-être de nos auditeurs. Ils sont chanceux. Ah non, tout à fait. Hey, la gang, on a fait le tour, je pense. Hein?
On a-tu fait le tour de toutes les nouvelles? Oui, pas mal. Je pense que oui, moi. Ouais, on a parlé de ma petite boule. On est correct. On est correct. Il n'y a plus de doigts. Il n'y a plus de poils sur le chest. Puis je saigne. Puis il saigne. Je saigne de l'intestin. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis. Merci à vous tous également d'avoir participé à cette émission. Félicitations à tous les gagnants. Je refuse. Je n'accepte pas. Ça, c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. Non! J'attendais que tu le fasses. Oh. Tu l'observes. Les points d'interrogation roses qu'on a vu passer là, quand il est devenu gros, on aurait pu les pairer, ça. Tout ce qui est rose, ça se pair. Puis quand tu pairs, tu obtiens une carte supplémentaire pour pouvoir justement faire tes super moves. Et c'est si vraiment... tu le fais pas, tu pairs. Tu pairs. Si tu le fais pas, c'est normal de pas le faire au début. Au début, moi, j'ignorais ça complètement parce que, hey, on va su comment je vais essayer de l'avoir puis tout ça. Mais ça accélère drôlement le travail quand tu te mets à pairer puis tu peux faire tes super moves. Mais c'est vraiment une question. Tu vas finir par assimiler ça. Rappelons que GameStop est aussi propriétaire des Happy Games. Puis j'ai vu des personnes dans les groupes de fans de Nintendo qui ont dit « Wow, man! » Il était devant le magasin là, avant l'ouverture. Il dit « En tout cas, s'ils en ont reçu, c'est sûr que j'en ai un. Je suis le premier. » Puis effectivement, il y a des SNES mini qui sont vendus ce matin. Donc, il y a certains Happy Games qui ont réussi à en avoir. Puis il y a du monde qui ont réussi à en acheter. Mais c'est ça. On va peut-être recevoir d'autres stocks cette semaine. Walmart, par exemple, est-ce qu'ils vont recevoir leur... C'est S3.net et on vous explique comment faire pour télécharger le... Et ça, c'est quand même... Non, Bencho Slide, disons, on voit pas la différence. Le 720K qu'on vous montre, c'est mieux. Ouais, des jokes de papa, c'est mieux, bien mieux. Hey, parle-moi donc de... on a parlé un petit peu la semaine passée. Ouais, c'est ça, c'est la semaine passée, on a parlé d'Overwatch qui va se mettre aux couleurs de l'Halloween. Overwatch. Costumé pour l'Halloween. Ah oui, Halloween, faut que tu dises comme notre grande Myriam, c'est l'Halloween. Ah, OK. Moi, je dis Halloween parce que je sais comment le dire. Un Halloween est terrifiant. Une grosse journée. Ouais, grosse journée. Juste avant l'Halloween. Tu sais. Yes, l'Halloween. L'Halloween! Tu vas pas me faire dire... écoute, tu l'inviteras, elle va te le dire comme tu veux. L'Halloween! Bon, avec son bas de soute. You win or you lose. You all win. All win. All in. All in pour l'Halloween. Hey, merci, Laura. On a parlé de casino à cause de Copette tantôt. Ouais, c'est ça. Oh, écoute, Seigneur! Ça, c'est un gars qui nous suit pendant 2 ans, quasiment. La galerie d'art, beaucoup de monde. Check la bain. C'est quand même pas pire. Sa phrase passe partout. C'est quand même c'est pas pire. Bon, pas lui. Il est fatiguant. Moi, je suis plus capable. Lui, on va faire, mais ça a été, écoute, ça a été vraiment une belle pièce. Ouais. Une belle exposition. Dans, tu sais, le lieu de Batman, c'était cool aussi. Donc, c'est le fameux Snooki, c'est dans la gang. Snooki Doo. C'est dans la gang de Jersey Shore, c'est pas pareil. Gold member, là, avec sa veste gold. Exactement. Donc, c'est les rumeurs que ce soit Darth Vader, puis tout ça. Il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas, même que... Il n'y a pas de lien, tu dis, toi. Non, puis ils disent même, il y avait eu une news comme de quoi dans une entrevue qui disait que... Snooki, oui. Snooki, c'était pas ça par en tête. C'est option. Fait que t'as une caméra qui te revient combien en bout de ligne? La caméra comme telle est 80 000 $US. Donc, tu en as pour peut-être 200 000, 300 000 une fois que tu mets des objectifs et puis peut-être la quête. Absolument, parce que juste avoir un battery pack pour pouvoir se promener avec ou même la visionneuse qu'on vient de voir là, pour avoir une idée du shot qu'on est en train de prendre, déjà, on rajoute des 5 000, 10 000 à la fois. Ça va très vite. Ça va très vite. Fait les vis. Je me rends compte, bon, il y a des condensateurs puis, qui ont l'air de vouloir couler. Je change les condensateurs, ça va super bien. Comment t'as payé ce machine-là? 30$. OK. Quand même, 30 euros. Non, c'est OK. Fait que 200$. OK. Puis, finalement, je remets ça ensemble. Puis, c'est pas vrai, pantoute, Denis, j'ai juste changé les batteries puis ça marche. Maudit menteur. Tu m'as fait marcher. OK, donc. Il y avait deux problèmes, en fait. Tu avais dit que c'était pire. Parce que. J'ai changé les. Ouais, le problème, ça a été vraiment le papier thermique. Ah, okay, ouais, Puis, tu l'as trouvé où, ton papier thermique? Sur Internet, j'imagine? Oh, ça s'achète pas mal partout. Oh, ça commence. Qu'est-ce qu'on imprime? Oh, ben, le logo de Radio Talbot. Regardons ça. Et c'était en haute résolution. Hein? Oui, absolument. Pour l'époque, c'était fantastique. Une chance que tu l'as dit, Denis, je ne suis pas sûr que les gens auraient su c'était quoi. C'est ça. Donc, c'est pour le fun d'acheter acheté ça, faut le ben dire. Ben oui, absolument. C'est un jeu Star Wars. OK, là, j'arrive, man, il y a un vaisseau qui arrive, c'est incroyable, j'ai mon sable laser. Là, je suis prêt, moi, mon ami, venez-vous-en. 3 ou 4 petits bonhommes, puis... OK, c'est fini. Quoi? Oui, oui. C'est moi, là. Tu me dis pas c'est fini de même, encore? Non, c'est fini, faut-tu...
C'était dommage. Dis-toi. Mais quand même, c'était beau. Mais c'était beau. C'est moi qui ai choisi le démo, par exprès. Mon espèce de parce que j'avais pas de sac à vomi. It's like... The little madame. Yes. The little madame with the neige. Yes. And, in the château. There is the frozen. No, encore is frozen. Oh, well. I'm going to have to wait a minute. Là. Is it frozen ben gelé or just frozen a bit? A little. A little gelé. It's like a Mr. Freeze. A little jelly? It's like the Mr. Freeze. There's nothing happening on the surail. Like Mr. Freeze, like Victor. And wait a looking for his wife. We're casting on the Facebook. The people are going to be able to watch okay, us. Okay, the Python is activated. Yes. Broadcast confirmed. Yes, the broadcast is starting. Starting, Lala. Hey, we are up to 9,900. Non, je serais pas capable, mon cerveau va exploser. C'est important. On est en direct. Raphaël 12 is Marseille of votre inscription. Thank you very much. Merci beaucoup, Raphaël. Marseille. Ah, c'est quand la merde frappe le ventilateur. Oh, ouais. Quand il y a une couille dans le potage. Exact. Ouais. Quand la merde frappe le ventilateur. Hey! j'aime mes traductions. Oui, j'adore ça. Donc, c'est un mais jeu. Ça arrive, tu sais, des imprévus, ça arrive. Ouais. Ça prend toujours de l'investissement de plus. Des embouts hein, qu'on peut mettre dessus, parce que c'est sûr que gros comme ça, on s'entend que ça ne va pas souffler grand-chose. Plus l'orifice est étroit et plus la puissance de sortie. Non, arrêtez de niaiser. T'es là que t'es sans bout, man. Ça a l'air de... On s'excuse, là, mais ça a vraiment l'air d'être dildo. Puis t'es là, plus l'embout restreint. OK, non, là, bah, mais regardez, juste capable. Là, j'ai mis... Il manque juste Myriam, là. Myriam n'est pas là. Oh, my God. J'ai mis le petit... le petit embout. J'ai mis le petit embout pour qu'il y ait un plus petit orifice. OK, okay c'est bon. Hey, je vous le dis, ça fait du bruit, par okay, exemple. Bon, ça... Ça, c'est ça lève. Attends, ça fait-tu autant de bruit que ça souffle? Parce que ça veut non, dire non, que ça mais souffle. Ça souffle. Non, non, ça souffle. Checkez bien ça, on va y sécher les cheveux. OK, Kikette, on veut un clip là-dessus. Donc, ça, c'est le tibou. Ça, c'est le tibou. Ah oui, non, dans ton clavier, à toi, nettoie donc ça. Ouais. La caméra en arrière, monsieur le réalisateur. Ouais, avec la caméra en arrière, je vais me mener. Tu me demandes ça de même, on ne l'a pas ajusté. Ah. Tu peux savoir. Est-ce que ça nettoie parce que de là. Je sais pas si ça nettoie, mais ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Mais il y a un filtre et tout là-dedans. Ça. On peut mettre du parfum dessus. OK. Si on veut que ça sente bon. D'accord. Change de bout. Tu veux que je change le bout? Est-ce que toutes les bouts viennent avec ou tes achats à part? Toutes les bouts viennent avec. Là, je vais mettre le gros bout. OK. Parce que avec le gros bout. Tu nous as habitués au petit pour nous préparer pour le gros. Les gars, Oh, 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 ça ah non, là, je tiens okay. ma bière. Oh. OK, on fait le toupette. Ah ouais, le toupette. On essaie le toupette à Denis. Faudra essayer sur Donald Trump. Mais sérieusement, ça souffle. Ah, ouais, attends, je fais okay. le clavier. Wow. Hey, ça pèse ses touches. Ça pèse ses touches. Ben ouais. On le voit pas. OK, mais... ça souffle. En soufflant, parce que ça retourne dedans. Ben juste... je fais pas ça. Ouais. Juste dire. Oui, vas-y. Quel embout tu parlais? Non, ben, je veux juste dire qu'il y en a un avec une petite brosse au bout, en plus. OK, mais c'est pas drôle. Non, juste parce que j'ai plein d'images qui me passent en tête. Là, puis, ben, ça, c'est pour frotter peut-être en même temps qu'il y a des petites cochonneries là, de coller dans le clavier. Si c'est quand t'es ternu puis ça sèche. Non, mais sérieusement, si vous êtes dépendant aux cannes d'air comprimé. Je n'ai personne de dépendant. Non, mais il y en a là, qui en pensent. Là, c'est... Qui ça? Non, t'as pas mis de wash hein, sur ton écran? Non, ben j'en ai. Ouais, mais ça fait longtemps que j'en ai pas mis. La dernière fois, c'était au show ici. Mais ça colle-tu bien? Ça dire, colle, check. Ouais, c'est. C'est super cool. Véro, on veut un clip. Mais c'est ça. Ça, la bouche est rouge. Hein? Là, je la décolle, c'est vraiment. Je ferme la bouche. Ou la bouche. Les yeux. L'autre bord. C'est fantastique. Ça marche. Hey, mais c'est vraiment une petite ventouse. Là. On peut regarder. Pas, là, c'est une petite ventouse là, qui est ici. Puis si je le colle, okay. Il ne bouge plus. Puis c'est un produit là, qui se vend 8$ sur Amazon. Bon, là, c'est pas cher. Puis sérieusement, on met ça dans nos poches. Tu es à l'aéroport, tu veux jouer. Ouais, tu sors ça, tu le colles là-dessus. Il y a...
Il y a des Père Noël. Il y a des Game Vice. Ça dans mon Père de Noël, s'il vous plaît. Il y a des produits comme Game Vice qui pèsent quand même, qui se transportent bien. Oui, ça se transporte bien et c'est compatible avec leur logiciel, comme je vous dis, pour changer les couleurs. Mais eux autres, ils ont une technologie qui s'appelle Q. Et si on a 3 produits dans le Q, pas de jeu de mots. Honnêtement, je faisais juste penser à Star Trek The Next Generation. Okay. C'est que j'ai Q. C'est donc, si on a 3 produits pour de vrai, si on a 3 produits avec la technologie Q, c'est qu'on peut programmer pour que les lumières se suivent. C'est-à-dire que ça va passer du clavier au tapis à la souris. Et ça va repartir du clavier du tapis à la souris. Puis la lumière va tout de suite. Brad Mulligan, on se voit bientôt pour ton podcast, mon Brad. On va aller faire un tour du côté de chez vous. Chez vous, je pensais t'en donner son adresse en ligne. Non, ben. On fait un Facebook Live. Puis on t'appelle au 5 ans. Ouais, c'est ça. Ah bon, la ligne 800, par exemple, c'est des gens qui veulent appeler à soir ou pas tantôt, de suite? Tantôt. Okay, on garde ça, s'ils veulent se faire souffler dans le visage, là. Ça va mal virer, ça, je le sens. Ça va mal virer. Ben, non, j'ai juste ces deux-là. il arrive c'est préparé. C'est que ça arrive avec des affaires à acheter. Ouais. À 8 piastres. Puis t'en as pas à 8 piastres. Oh. Moi puis Yann, on est là. Ouais. Denis dit deal. Puis après ça, tout... Là, je sais pas ce que j'ai eu dans mes lunettes, mais je vois rien. C'est bon. Non, hey, attends, mais je veux juste dire une chose. Vas-y, ouais, dis-le. C'est que chose. Pourquoi j'en ai pas beaucoup, c'est qu'on les a fait venir du Japon parce qu'on veut les importer pour les distribuer au Canada, mais c'est pas encore fait. Ah. Fait que tu sais, c'est juste pour vous que je les amène. Super Mario 64, ça a Switch. Ouais, 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 ouais. Le monde, ils veulent juste ça, que ce soit Luigi's Mansion, ouais, Sunshine. Nintendo. Le monde veut jouer à ça. Nintendo dort ça à Switch. Là-dessus, ouais. Là-dessus, il faut vraiment que dans le temps des fêtes, là, c'est ils nous sortent des genres de bundles. T'en avais une. Donc, si ça vous tente de jouer à ça, je vous invite Siberia 1 et 2. Le 1 sort aujourd'hui et demain, en fait. Et l'autre, le Siberia 2, c'est est-ce le 30. Est-ce qu'on connaît les prix? Est-ce que c'est marqué dans le communiqué ou pas? J'ai pas les prix. Attends, on va vérifier. C'est le prix de dans le temps plus 10 $. On l'a pas eu, malheureusement. Non? Et on a arrêté de jouer à Pokémon parce que Fiston était pas content. C'est qui qui l'a eu? C'est aléatoire? Parce que tu as dit c'est aléatoire? Non, je sais pas, je dis ça. Je cherche un chroniqueur. Ouais. Quelqu'un qui amène des bébelles qui peut laisser ça pour les autres. J'ai rencontré une fille. Ça prenait une fille dans l'équipe. Là. Il cherche une place à la poule aux œufs d'or. Mais j'ai rencontré, quand je suis allé faire Millennium, j'ai rencontré une dame là, qui travaille chez GB. Ben oui, c'est vrai. Donc. Ben, stick, puis le brancher sur votre téléphone, puis jouer avec. Avoir un avantage, ça serait cool. Oui, effectivement. Hein? Mais que Cyril décide d'amener plus que deux. Là. De quoi ça? Non, ben là, joystick, écoute, ça sort, il venait tester. Il écoute même pas. Mais c'est... Non, mais j'écoute, mais c'est parce que c'est de l'écoute sélective. Ouais. Des fois, il y a de la neige sur la coupole, puis j'entends rien. T'es pas mal dans la neige, moi, je trouve, depuis quelque temps. Là. C'est pas ce qui se passe avec toi. En fait, je suis avec toi. C'est que là, ton combat avec un capitaine vient de virer un combat avec deux autres capitaines. T'es rendu à 3. Et là, ça prend trop de temps, mais il y a toujours d'autres mondes qui arrivent. Après. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver qui va dire ah, je suis. Je suis un assassin, on m'a engagé pour te tuer. Là, tu vas faire fuck that shit, je me pousse. C'est impossible que je me batte contre 4 parce que là, il y en a un qui est immunisé au poison, l'autre est immunisé au feu, l'autre, tu peux pas le geler. Puis là, tu peux pas prendre ta bébite. L'autre, faut que tu te mettes en tour de lui pour le frapper et là, t'as pas le temps de posséder personne parce que le temps, la façon que tu regagnes ta vie dans les combats, c'est ça. Non, c'est le genre d'affaire-là qui. Quand on parlait de jeu, s'il y avait du sang, c'était pas correct, parce que ça valait plate ton jeu. Mais là, il faudrait que tu parles plus de techno, ok, je parlais plus de techno. Moi, là, tu parles plus de jeu, tu as perdu l'ADN de ton show. Hey, asti! Tu peux pas faire plaisir à tout le monde, ça, c'est non, sûr. Non, écoute, ça beau. Vous nous faites plaisir en général, puis sérieusement, on va vous suivre, là, même rendu, là, dans des centres de petits vieux, on va vous suivre en gant. Écoute, il y en a qui vont arriver, là, avant nous autres, là, mais... Il y en a peut-être qui vont aller à l'hôpital avant. Ouais. C'est correct, parce que le temps que moi, j'y vais, les serrures vont être Wi-Fi, je vais être capable de me sauver. C'est ça. En tout cas, je connais ton char, fait que je dois te dire que... Non, laisse faire. Mais non, c'est écoute, merci d'avoir appelé. C'est très... Tout ça s'en vient, la boutique, tout ça. On va vous tenir au courant sur les médias sociaux. Mais les gars, merci beaucoup. C'était très cool encore une fois. Belle machine, c'est le fun. On va se souffler un peu, vas-y. Salut, Yann. Ça sent le neuf de Canadian Tire. Ah, ça sent le neuf ici. Pierre. Ça goûte le neuf. Attention à vous autres. Passez change d'embout, ça va goûter différent. Ouais. Attention à vous autres. On s'en va revoler. Zugzazisadine. C'est ça. On va l'appeler Zeus. Attends, là. Zugzazis. Attends, maudit. Merci beaucoup. Ayez des noms simples. Regarde, moi, j'appelle Laurent. C'est ouais, simple. Larry.
Non! Non, arrête avec ton Larry, vraiment, pour voir que tu décroches. Mon beau Laurent Sucre, c'est parce que je mets du sucre, ça passe mieux. Il y a une nouvelle application, bien le fun, qui est sortie. Tu vas aimer ça. Bon, t'attends ta minute. Et juste 4 jeux, on commence comme ça. Moi, d'après moi, il y a quand même un petit peu de magie qui s'opère quelque part. On met les doigts dans le code, peut-être. T'as fait du magie. Les doigts dans le code. Exactement. Ouais, je pensais que t'allais dire un autre mot. Est-ce que, voyons donc, tu me connais mieux que ça? Ben, je le sais, c'est pour ça que j'étais... Je suis en subtilité. Tout le temps. Char d'assaut dans un magasin de porcelaine. Char d'assaut, c'est Frank de Tank. Exactement. D'ailleurs, non, tu vas être ici jeudi, Frank. La nouvelle! Je le sais, mais juste en parler pareil, parce qu'il faut donner de la viande autour de là. C'est important, là, Laurent. 30 secondes maximum. Tu vois, je réponds à ma question dont j'avais la réponse. Mais où ta minute? Tu n'as pas de minute. Ben, j'ai dit jusqu'à 30 secondes. Jusqu'à 30 secondes, c'est maximum. Évidemment, tu peux partager 12. Non, je sais bien. Bref, on peut partager des vidéos. Oui! Et la vidéo la plus partagée, genre le jeu qui est le plus partagé depuis que la fonction est entrée en vigueur, c'est... C'est? Apparemment, vendredi. Vendredi. Je sais pas. Moi, je connais quelqu'un qui l'a fini. J'ai pas joué. Quelqu'un qui m'a dit ça. Il avait eu en copie, là, puis il l'a fini. Moi, j'ai pas eu ce jeu-là. En tout cas, il est chanceux. Ben oui. Il paraît qu'il y a des nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés, mais on ne peut pas en parler parce qu'on est en embargo jusqu'à vendredi. Ben, on ne sait pas, c'est pas nous autres. Non, c'est ça, mais mon chum, il m'a dit, je ne peux pas en parler, j'ai un embargo jusqu'à vendredi. Mais il paraît qu'il y a des nouveautés et des petits clins d'œil. L'embargo, c'est jusqu'à jeudi. Je pense que c'est ce qu'il a dit, mais je ne me rappelle plus. Okay, mais j'aime ça faire ça, je trouve ça drôle. Ben, c'est jeudi. Il y a un bruit de mer au lieu d'un bruit de sapage à la table. Ben voyons donc, ça ne sert à rien. Calvaire. Écoute bien ça, regarde, démonstration. OK, go. As-tu vu ça? C'est, ça a l'air d'une toilette qui flush. Ah, c'est peut-être le bruit qu'elle a fait aussi, je sais pas. D'accord, ben lui. Ah. Il rajoute juste de l'écho sur le début de ton... Je sais pas. Pourquoi tout le monde est... Du tonnerre. Il me regarde dans les yeux et il sait quand je panique. Oui. Mais ben, moi, devant la caméra, j'ai de l'air très calme. Ouais. À l'intérieur, je capote. Puis lui, il le voit. Là, il remplit puis il me voit pédaler. Je le voyais, il pesait ses pitons. Le kit. Et là, c'est une caméra qui prend des photos. Oui, genre. Oui. Et allez, un boîtier noir. Oui, okay. Là, je le vois. Avec une petite texture très agréable. Mais celle-là, elle est vraiment un look... design, un look de luxure aussi, classique. Comme qu'on peut trouver. Ouais, classique, ouais. Comme qu'on peut trouver n'importe où ailleurs. Pas de luxure. De luxuriance. Luxuriance. Non, luxueuse. C'est du sexe. Encore un autre. Luxuriance, ça peut dire. Mais c'est pas de luxure. Non, non. C'est le sexe. C'est un autre. Je suis anglophone. Ouais. À toutes les émissions, écoute, je vous évite l'anecdote de la dernière émission. On partira pas là-dessus. Kiev, là, a été complètement bisbaillé. Comment? Bisbaillé. Bisbaillé. Bypassé ou... Bisbaillé. Best Buy. Non, en tout cas, bisbaillé, mais bref, mettons que j'utilise un autre terme parce que moi, j'ai dit ça, bisbaillé a été complètement là... Gelé. Hacké. T'as passé. Bisbaillé, c'est... You know. Je bisbaille, tu bisbailles. Il travaille chez Best Buy. Non, c'est ça. Il y a un fond dedans. Là. Il y a du monde qui vont comprendre probablement. Mais en tout cas, bisbailler. Puis là, ce qui est arrivé, dans le fond, au métro de Kiev, c'est que plus personne n'avait accès avec leur carte pour s'en sortir de cette histoire-là. On ne le sait pas, mais eux, on dit ça suffit. Dans le petit Myriam, paraît-il que la définition de bisbailler, ça veut dire saboter. Oh, merci, thank you. Je vous l'avais dit que ça existait. Mais c'est un terme anglais, ça n'existe pas. J'ai jamais entendu ça. Bisbailler, ça n'existe pas. C'est dans le petit Myriam. Dans le petit Myriam, il commence à avoir un bon lexique. Elle sème à tout vent. Donc là, à date, on parle de luxure, on parle de bisbailler. Et des pots pour les personnages. Bon, on n'ira pas là-dedans. Et que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je suis tellement contente que Sony ait lancé ça, mon Denis. Là. Ça, je l'ai eu à un moment donné à M. Net pendant une journée. Et puis le gars est venu chercher, il ne savait pas que le show était le soir, fait qu'il est parti avec. Fait qu'on ne l'a pas présenté. Ah! Well, soir, I gotta go to Toronto. My flight is now. Ouais, mais on fait le show, il était à 7h30. Oh, sorry. Oh, well.
Alors, voilà. Il y a plus d'une décennie, ouais. Sony avait un département de domotique et de robotique qui a été vraiment laissé tomber il y a 10 ans. Il s'en vient-tu vers faire ce que je pense qu'il va faire avec un faux arme partout? Mais... Oui, il va faire comme un pipi badge. Ah, ouais. Non, ah, mais ouais. C'est sa, je pense que c'est sa recharge. Moi, ouais, je pense qu'il... Ah, il se bloque. Il s'en va se connecter. Il se transforme en mode aspirateur. Mais si on suffit à ce qu'ils ont fait avec les Asimo et tout ça, les petits robots, les Japonais sont forts là-dessus. Ils sont forts là-dessus. Fait que Sony décide maintenant de... C'est bizarre ce qu'il fait le chien, là. Ouais, on dirait qu'il zigue, mais il va vraiment se plugger. Oui, oui, oui. Ça a été long. Puis... Donc, Gordon Ramsay donne des cours là-dessus, etc., ouais. etc. Et là... Des cours d'engueulade. Va... Ouais, c'est ça. Peut-être, je sais c'est pas. C'est dégueulasse! Moi, j'adore les tweets de Gordon Ramsay, personnellement. Je sais pas si vous les avez vus. Là, les gens envoient des photos de leur repas, puis ils leur répondent pour leur dire... C'est de la merde. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Bon. Alors, ces cours de master... Oui, non? Donc... Masterclass.com. Tout simplement. Exact, c'est simple. Rapidement, parce que rendu 21h06, on défonce, comme dirait l'autre qui parlait sur le bout de la langue. Il y a sur le nouveau Samsung qui s'en vient. On ramène le truc pour le pouce. Hey, Samsung, on va-tu se brancher? On va-tu arrêter? Ben, t'as-tu vu le stand qu'ils ont fait entre au-dessus de... Ils ont donné des Samsung, des nouveaux téléphones Samsung à tout le monde pour montrer qu'ils étaient sécuritaires. Ils étaient dans l'avion. Là, ah, c'est cool. Mais là, parle-moi d'un don. Samsung se décide pas. Samsung n'arrête pas de grossir, rapetisser, enlever l'écran, enlever le bouton Home parce qu'il bug tout le temps. Fait que là, on est comme un peu tanné. Donc là, ils ont décidé avec le Samsung S8. On beast boy, tout on laisse ça. Faire ça, on laisse on là en arrière ou mettons en bas. Touch ID, on s'en. Moi, Touch ID, là, c'est pas une grosse démarque, là. Hein? On fera pas le monde avec un Touch ID, là. Ça dépend où tu touches. Je vais pas dans ce domaine. Moi non plus, on arrête ça là tout de suite. Messieurs, merci d'avoir été là ce soir encore une fois. Stéphane, content de t'avoir revu. Georges, on va se revoir de façon régulière. Maintenant, et félicitations pour ton association avec Royal Photo. C'est sûr, moi, je c'est seulement la qualité. Hey, ça, merci beaucoup. Wow, stop the press, Cerber 24, 100$. Wow! Oh. Ça donne une tasse pour ça. Ça donne. Je te la donne. Oui, parce que j'ai reçu mes tasses. Ben, en fait, j'ai reçu un échantillon. J'ai reçu une photo d'une tasse. Une photo d'une tasse, c'est ça tu que j'ai reçu. Tu donnes la tasse ou la photo? Je donne la photo. Non. Ça, c'est pas qu'à une tasse. Donc, ça, c'est un prototype qui a été fait. Donc, je vais recevoir ça. C'est vous deux. Ce qu'on va faire, on va faire ça. C'est 4 jeux de party. Puis vous allez embarquer là-dedans, puis le gagnant, tout ça, se donnera la conséquence à l'autre. Ah, ce serait bon. Ce serait bon, ça. Dans le mais si c'est des affaires d'intelligence, parce que j'ai un avantage sur Yann. C'est ça! Ouais. Il n'y a même pas de réponse. Oh, tu réponds même pas à ça? Non. Non, tu ne te sens pas menacé. La pluie de tes insultes rebondit sur mon parapluie de l'indifférence. C'est bon. Il est malade en VR, ce jeu-là. Ouais, j'ai adoré. Doit. Faut que je l'essaye. La seule chose que j'ai faite, c'est le démo ici, là, dans la cuisine avec Denis. Là. Puis même là, un moment donné, je suis OK, là, ça va pas. Ouais. Mais c'est pas. T'es parti, t'es accroche. Ben, tu sais, j'étais là, un moment donné, là, elle va sortir. Ouais. Un moment donné. Mais c'est pas vraiment épeurant, là. C'est vraiment. Il y a des bouts dans Resident Evil que j'ai sauté, j'étais sur mon c'est sol. C'est très léger. Sur mon salon. Je me suis imaginé avec ça dans la face. Là. Non, c'est rien. Hey, il était tout trempé. Il était assis là, man. Il dégoûtait. C'était. Oh non, ça va mourir, mon cœur. Hey, oh, regarde ça, bang. 10 046. Malade. Hein, c'est cool. Super, c'est super fun. Comme tu dis, en prochain step, 15 000. Écoute, ça va bien. Merci 15 000, on fait le show en Bédène. Laisse faire, il faut un show d'été que ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va faire, qu'on n'a pas fait. Un show surprise. La chose surprise d'été. Sous l'eau. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Mais écoute, pendant que tu parlais des jeux d'horreur, Little Big Planet, les quatre ensemble, toi, moi, Frank, puis Ben. Ça devait être malade, ça. C'était écœurant, man. À chaque fois que Ben puis Frank essayaient de se sauver, moi, j'ai rattrapé, puis je leur donnais une claque. On a passé à veiller à se donner des claques, ça y est. Je pense qu'on a vu trois tableaux. La seule chose qu'on faisait, c'était se donner des claques, puis se repousser, puis pousser l'autre dans le trou. C'est ça. Finalement, là, en tout cas. Ben, c'était le fun, par exemple. C'était un bon souvenir. Ça, c'est un petit jeu bien fait que j'ai bien aimé. Oui. Dimic, c'est dangereux de jouer au petit sac ces temps-ci. Je vais dire ça de même, lui, il l'a écrit dans le chat. Là. Non, mais. Chant de subtilité à ça. Pas en tout, mais il parle de sac là, dans le jeu. Parlant de sac, il y a des petites lingettes aussi, hein? Oui! Des petites lingettes. Toi, quand t'arrives quand t'arrives avec des lingettes puis du jus pour nettoyer, moi, je suis toujours sceptique. Là. Puis là... Puis on t'a eu comme il faut. You can also laver des lunettes ou encore des affaires protéger les yeux comme des bains fumés. Commence dans le milieu puis va-t'en vers les côtés. Yeah.
Même chose de l'autre bord. Et son sale en devant. T'as une grosse visière. T'as mauvaise haleine. Tu fous-tu par ça? On dirait Chris aller. Pratt. Visite-nous maintenant. iCloud.ca. Ah, OK. Bon, c'est ça. Ben, puis, tout a été dit. C'est-tu bon? C'est... Non, sérieusement, ça fonctionne bien. On trouve ça où, ces trucs-là? Ben, au magasin, là. Non, sérieusement. Vous pouvez Amazon. Amazon. Charles Momo, il n'est pas là parce qu'il viendrait de jaser à Apple, je peux t'en dire. Mais sérieusement, Amazon. Trop tard. C'est pas trop, trop tard. Non, mais c'est parce que je voulais faire une farce. Arrêtez, là, vous me faites oublier. Donc, Amazon, même si IPC peut en avoir, parce que naturellement, c'est nous qui le distribuons. Je veux juste dire, parce que Blue the Color en a sorti une papier, puis on parlait des voitures, puis des souris que la compagnie fait qu'il me demandait s'il faisait une mouse ratie. Oh, elle est très bonne, elle est très bonne. Ça, c'est ton ça genre d'humour. C'est ça. De YouTube? Ouais. OK. C'est ça? Ouais. On va essayer d'écouter un petit peu. Après ça, on va mettre tout de U1. OK. Là, je l'arrête pas, OK? Amène-moi ça. Je vais juste faire. The same. They make it easier on you now. Not one to blame. OK, donc, Yann, t'as écouté... Ici. Ah. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rentre dans le ground de la prise en bas pour pas que ça tourne comme ça. Ah oui, OK, le petit rond qu'il y a là. Exactement. Ouais, okay. La prise dans la bouche du haut. Prends-moi pas pour un câble. T'as essayé de me prendre pour un câble.